Et bonjour à toutes et à tous, c'est Natendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles X. J'espère que vous allez bien. J'ai 18 000 presque Miranium, 15 000 à dépenser dans tout simplement les Industries. Alors ça nous fait faire des allers-retours à chaque fois, mais pour le moment je n'ai pas plus de sondes de stockage que ça. Donc, nous allons tout investir. Et puis on gagnera du Miranium en jouant, hein, tout simplement. Pour l'heure, nous allons faire la mission du chapitre numéro 6. D'ailleurs, je peux pas le démarrer d'ici. On va rentrer dans la caserne. Et je crois qu'on a les prérequis. Et voilà, on va faire progresser un peu plus l'histoire. On va alterner comme ça les histoires et les missions secondaires ainsi que les missions de soutien comme ça, pardon. C'est quoi ça? Niveau requis 50, vous voyez par exemple, tel père, tel fils, compléter le chapitre 11. Ah, obtenir le module de vol pour scale. Bon, chapitre 11. Donc d'ici le chapitre 11, on aura un scale. Chapitre 6, niveau requis 1, membre maximum 3. Donc je ne peux pas jouer avec elle. Explorer 20% de Noctilium, compléter la mission d'entente, un ami dans le besoin. On a fait un ami dans le besoin. Et on a fait également les 20% de Noctilium. Mais c'est Oblivia qu'on a fait dernièrement. Donc Noctilium, ah oui c'est ça, Octilium c'est la grande verte comme ça. Donc on risque d'aller là-bas à nouveau. Équipe. Membre d'équipe actif. On va virer elle. Hein. Parce que je ne peux pas le jouer malheureusement. Et on va jouer avec les membres requis, Elma et Lynn. Et on va accepter cette mission principale. Pa-pa-pa-pa-pa. La bête noire. Chapitre 6. C'est parti. Et puis si on se fait dérouiller la gueule, eh bien... On verra bien. Oula, c'est la guerre. Il faut pas rester comme ça. Il faut les repousser, on ne peut pas les laisser s'approcher. Mais c'est qui eux? C'est pas des humains, on dirait, ici. Ça ressemble pas à des scalistes, hein. Par contre, c'est vraiment la merde, si c'est des humains. Aïe, aïe, aïe. Ça n'annonce rien de bon. Je regrette mon choix. Vaisseau amiral du ganglion. C'est qui les ganglions? C'est les méchants eux, non? C'est pas les méchants les ganglions? Même nos skells sont impuissants face à eux. Mais c'est ça, c'est les méchants. On parle des méchants, ok. Ça ne sert à rien de s'acharner, cela ne fera que clairsemer nos rangs. C'est bien les méchants. Après tout ce temps, nous avons enfin trouvé un indice pouvant nous mener aux grands anciens. Sympa la musique. Il y a des vibes de Halo. Le phénomène qui entoure cette planète a un diamètre de seulement 800 exédis. Sauf à votre respect, 3 jours à la vitesse de la lumière sont plus que suffisants pour tout ratisser. Si le grand ancien, le Samar, était ici, ne pensez-vous pas que l'on aurait déjà trouvé quelque chose? C'est une chose d'engager le combat avec l'ennemi jusqu'à ce morceau de roche perdue qu'ils appellent la Terre. Mais se faire avaler par une lumière étrange et se retrouver dans ce trou à rats, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et être coincé avec des humains pour couronner le tout. On a une mauvaise blague. Si quelqu'un me disait que c'était l'au-delà, je le croirais. Raison de plus pour continuer. On doit le retrouver si on espère pouvoir échapper aux limites de ce phénomène. Grand Maître Luxar, je vous écoute. J'ai des nouvelles. Badintou. Donc c'est eux qui se faisaient bien massacrer la gueule, on est d'accord. Vraiment? Et vous dites qu'on peut lui faire confiance? C'est très intéressant.
J'espère que c'est pas elle. Oui, une proposition vraiment très intéressante. Mais je pense pas. Qu'est-ce que c'est donc? Quelle proposition intéressante? C'est peut-être un humain. Un autre connard. Alors ce n'est pas vous, hein. On n'entendait pas bien les voix. Je pense que c'est dans les réglages, j'ai dû des réglages des sons, j'ai dû faire ça. Pin, 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 pin. Alors on a déjà fait le foie gras. Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tin, 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 tin. On a déjà fait quelque chose de raffiné, quelque chose de grillé. C'était du poulet. On peut faire quelque chose de... au four, une tourte. Alors du poulet frit, bœuf braisé au vin. Du poulet tendre, une poêle de poulet. Il faut alterner, là, on va faire du bœuf au vin. Allez, on enlève le vin et c'est meilleur, mais... ouais, bonne idée. Pimp, 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 pimp. Linley, Linley. Quoi Linley fait? Du bœuf braisé au vin. Hé, hey, Tatsu, pourquoi tu n'irais pas te détendre dans un bon bain avant le dîner? J'en ai fait couler un pour toi. Tatsu adore bon bain chaud avant manger. Oh, il y a mis sel de bain dedans. Couleur et parfum ravissant. Comme... hein? Lili, c'est pas baignoire. C'est casserole vin qui mijote. La petite patate est plus futée qu'elle en a l'air. Bon, je vais devoir utiliser du vrai bœuf, alors. Lili, pas drôle. Lili, pas drôle du tout. Tu tombes dans le panneau à chaque fois. La raison de t'embêter un petit peu. Allez, tout le monde. À table. Pin, pin, pin. Cette fourchette à trois dents me pose vraiment souci. Alors ça, c'était un repas. Ah, là-haut. Je suis impressionné, Lynn. Mon équipe pourrait en prendre de la graine. Non, c'est pas là-haut, lui. Je suis en... si, c'est ça. Je sais plus. Mais vous n'êtes pas venu juste pour manger, n'est-ce pas? Je sais plus son nom. Non, vous me connaissez bien, Elba. C'est à propos d'une mission. Mais il me semble que c'est... on dirait que ce monsieur aimerait faire appel à la lumière. Bien sûr, c'est avec plaisir que nous allons le laisser entrer par une oreille et sortir par l'autre. C'est cela, elle. Vous y êtes presque. Si c'est là-haut? C'est le gars qu'on avait rencontré. Je suis pas sûr que ce soit lui, du coup. J'ai des doutes. Un méca extraordinaire. Extraterrestre, pardon. De quel type? Aucune idée. On n'a pas dans nos fichiers, pour autant que je le sache, personne n'a rien vu de tel. Ah, c'est pas le mec habituel. Il a l'air abandonné en plus. Mûr par la cueillette. C'est pas Vandame. Oh là là, vous me donnez la chair de poule. Bon. Il se situe ici. C'est assez loin d'un Noctilum. Pas étonnant que vous vouliez parler à elle. Exactement. Mais il y a un hic. Le ganglion le cherche aussi. D'après Fontiernav, ils ont essayé de le récupérer plusieurs fois, mais ils ont échoué. Ah. Pas étonnant, c'est le territoire des infectés. Des infectés? Je n'aime pas ça. Ce sont des bêtes sauvages, féroces, insatiables. Il part de ces trucs-là. Je n'ai jamais rencontré quelque chose de ce genre dans l'Octilum, si. La musique est trop forte du coup. Les infectés sont territoriaux, ils résident au plus profond d'une partie précise de la forêt. Bien que ce ne soit pas très correct d'appeler ça une forêt. Pourquoi vous dites ça? Et parce que les infectés dévorent tout ce qui bouge, à part les autres infectés. Ça signifie que même puissant Tatsu serait pas sain sauf. En effet, vous seriez avalé tout rond. Les infectés ne feraient qu'une gorgée de vous. Intéressant. Il doit être redoutable pour vaincre le ganglion encore et encore. Mais si ce que dit elle est vrai, cela pourrait jouer en notre faveur. Ah oui, nos corps sont artificiels. Si les infectés pensent que nous ne sommes pas vivants, peut-être que nous ne risquons rien. Attendez une minute. Vous avez rapporté tout ça au commandant? Notre priorité absolue est de chercher l'Arche de Vie. Et vous suggérez de récupérer ce méca au détriment de notre mission? Exactement. C'est le commandant Vandame qui m'envoie vers faire appel à vos services. Ok. Comme vous le dites, nous n'avons pas de temps à perdre. Car nous devons encore trouver l'Arche de Vie.
Mais souvenez-vous que nous avons aussi affaire à des xénos hostiles. Des xénos qui ont détruit la Terre et qui veulent nous tuer jusqu'au dernier. Les xénos qui, eux aussi, veulent désespérément récupérer ce mecha. Et si c'est si important pour eux, c'est peut-être une arme secrète capable de renverser la situation. C'est loin d'être gagné pour être franche. Mais d'accord. Même si on ne peut pas l'utiliser, on devrait au moins le garder hors de portée du ganglion. Vous pouvez compter sur nous. Une objection ? Non, chef. Ravi de l'entendre. Mais si on doit s'en occuper, alors faisons au plus vite. Compris. Elle et Tatsu, restez en arrière. Contrairement à nous, les infectés vont nous prendre pour cible. Oh, c'est fort bienveillant de votre part, très cher. Oh, Linlu, ce souci de Tatsu, finalement. Mais bien sûr, après tout ce temps à te surveiller et à t'engraisser, c'était sûr. Je vais pas laisser mon dindon de compétition se faire engloutir par des indigènes enragés. Mais Tint, mission principale, client Van Damme, ok. Aide en outil à ramener le mecha extraterrestre. Sonde de stockage, ah. Ok. Chapitre 6 en couvre 1 sur 4. Oui, monsieur, prête. Tu as l'air enthousiaste, dis donc. Je fais juste mon boulot. D'ailleurs, c'est étonnant que tu aies pu intégrer l'équipage de la Grande Blanche, vu ton âge. T'as de la famille ici? Mes parents n'ont pas réussi à s'en sortir, ils sont morts. Ah, ce fameux jour, l'attaque sur Terre. Non, monsieur, avant ça, un accident. Je suis désolé. Ça va. Mes parents étaient les deux ingénieurs sur le projet de la Grande Blanche. Étaient tous les ingénieurs, oui. Mais il y a un incident lors du test du moteur primaire. Bref, c'est grâce à eux et d'autres comme eux que nous sommes tous ici. Ah d'accord. Une pointure quoi. Ils ont fait en sorte que la Grande Blanche soit capable d'aller dans l'espace. Ah, ils ne sont pas morts en vain. Du moins, j'aime le penser. Je vois. Donc ils t'ont offert une place sur la Grande Blanche en remerciant des choses formidables que tes parents ont faites. C'est une dette que j'essaie de rembourser chaque jour. En faisant tout pour aider les gens. Ne vous méprenez pas là-haut. Ouais, c'est bien là-haut. Lynn a gagné sa place dans l'équipage comme n'importe qui d'autre, grâce à son talent et à sa détermination. La position de ses parents a été propice à son apprentissage, mais c'est tout. Lynn en est arrivée là par ses propres moyens. C'est pas grave, Elma. Non, elle a raison. Parfois je parle sans réfléchir. Excuse-moi. Soyez pas bête, vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi, monsieur. Bien. On y va maintenant ? Des excuses, ça fait jamais de mal. Quand elles sont fondées, évidemment. Voilà pourquoi on a oublié de mettre là-haut, qui est niveau 16. Ok, donc tant que monsieur qui nous le file... Alors, je sais pas si c'est parce que c'est son niveau de base. Ou parce que c'est le niveau conseillé pour la mission. Cela dit. Alors, option. Paramètres. Vérifier les paramètres du jeu. C'est où? Position musicale. Non, merde. Je pensais que je pouvais régler l'audio. Mais je ne peux pas. Bah merde. Là, je pensais que je pouvais. Permet de la caméra, permet de la console. Et non. Bon. Eh bien, non, du coup. Et sur la mission, il nous faut aller à Noctilum. Et donc, nous allons nous y téléporter. Ce sera bien plus simple. La belle blague. Évidemment, au seul endroit où je n'ai pas pu aller. J'ai galéré à aller. C'est là où il faut aller. Si mes souvenirs sont bons. Attendez. Hop, c'est par a priori là-bas. Yes. Il a fallu que je monte. Est-ce que je peux monter quelque part là? Non.
Alors par où puis-je peut-être y aller? En montant. Là c'est d'où je viens, c'était bien ça, je pouvais pas y aller. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille ou par là? Ah c'est chaud de savoir. Il faut se passer de ce côté ou... Je peux pas voir la topologie. J'ai quand même l'impression que c'est au... Je peux pas voir la carte vraiment, mais j'ai l'impression que c'est au-dessus, non? Ouais, non, c'est d'accord. Faut que j'y aille par là-haut. Ouais, faut que j'aille par là-haut. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille par en haut. C'est une espèce de, d'énorme trou. Il faut que je passe par le petit chemin, j'ai l'impression. Mais j'ai quand même qui dirait l'impression que j'ai pas le niveau en fait. Faut que je passe par là. Niveau 36. Je vais passer au-dessus en mode balestec. Je pensais que je pouvais monter. Mais non. J'ai pas le niveau. Peut-être qu'il faut que je les tue. Hein. Faut que je les frontière niveau violet. A priori, ça se fait. A priori, ça se fait. Alors, il fait des tirs laser. Donc, a priori, les, ouais, les ennemis dans la région font laser. C'est en 4. Ouais. Bon, il faut que du laser du coup. Ok. Ouais, vraiment c'est laser. Ok. Bon alors expérience de base. Équipe. Équipement de terrain. Faut que je mette du laser. Ah mais je suis déjà en résistance laser. Ok. Bon bah du coup c'est plutôt cool. Le toit t'es pas du tout en résistance laser, ce qui n'est pas bon. Ouais ça m'a l'air bien. Alors est-ce que c'est lui le mieux? J'ai l'impression, ouais. En body de laser. Ouais. Ok. Ok, là on est bien avec ça. C'est fou, attendez. Essence physique. Bon, là on a le laser, là. Ouais, c'est bien ça. Plus 21 de laser, mais on perd en résistance. Est-ce qu'on garde pas celui qu'on a? Ok, alors lui il est mieux, non? Ah, je perds l'électricité, cela dit. J'ai pas besoin d'électricité. Pour le moment, si je vois qu'il y a des cités, je le garde. Et ça, ça m'enlève toutes les résistances. Bon, on va rester comme ça. Lean. Mettre du laser, ça serait pas mal. Ouais, juste comme ça, c'est bien ça. Ouais, on va faire ça. Il y a une plus de PV en plus. Ok. C'est pas mal ça. PT max, vas-y, hop. Et là, on n'est pas trop mal. Celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. Hop, 5000 PV. Pas bien. Ah, mais merde. J'ai pas fait là-haut. Là-haut. On va mettre un casque. Qui lui rajoute un plus 20 laser. Ouais, mais du coup c'est que les casques. Bon bah. C'est que les casques, on voit plus la tête. Bon, ça me paraît bien ça. Bon, celui-là franchement. Il augmente tout. Là aussi. Et ça, ça m'a l'air bien. Ah il a pas le niveau. Merde. Bon, on va mettre ça. Hein.
contre son bras droit il est vraiment vraiment tout pété. On va faire ça, hop, très bien. Ça sera un peu mieux. Après ça se trouve ils utilisent pas tous le laser hein, mais même tendance à me dire que si. Enfin a priori. Là et là là. Ok donc en fait il y a des trucs là. J'ai pas du tout exploré ça la dernière fois. Alors, attendez. Je peux monter là ou là. On va se faire tout petit hein. Hop. Tintin. Oh merde. Hop. Ouais, ça se fait des dégâts, c'est cool. Ouais, 4, ça fait plus de dégâts, ça c'est certain. Donc c'était vraiment débile de pas être 4. Mais j'ai vraiment zappé. Ouais, donc là, ils sont vraiment tous laser. Probablement. C'est assez intéressant de se mettre en laser. On va faire ça, comme ça, il fera encore plus de dégâts. Oh, mais il est mort, ok. Hop. Action de terrain, archéologue niveau 1. Ok. Et je ne peux pas plus aller ailleurs. Je peux aller là-bas. C'est peut-être par là qu'il faut que j'aille d'ailleurs. Non ? Vous en pensez quoi ? On m'a dit que c'est pas dénué de sens ce que je dis. Hop. Il me semble que j'ai été déjà allé. Ah, c'est peut-être plus par la droite là. Champignon lumineux. Ou petite falaise. Alors concrètement, je fais une place à la gueule. Petite falaise, ça m'a l'air plus. Ah ben. Ok. Ah ben. Dans quelle direction allons-nous? Si on va tout droit, on devrait tomber sur des cavernes qui mènent à notre destination. Ok. Et bah tout droit alors. D'accord, allons-y. Pourquoi ils nous ont arrêté ça? C'était juste pour nous dire de pas aller à droite. Très bien. Bon, moi, ça a répondu à la question. Un peu plus loin se trouve le territoire indigène, des spécimens infectés, absolument tout. Ok, 3h du mat, c'est très bien. Attention, les falaises qui sont juste là, vous pouvez traverser la caverne et arriver au ravin du mort. C'est une route très étroite. On va être très... Ah, c'était certain ça. Hein. Entrée du mort. Bon, bah on va faire comme si on n'était pas surpris. Ah ouais, mais... Pourquoi d'un coup? Pourquoi d'un coup ils ont décidé de... d'apporter leurs potes là. Hop. Ça vous dit de faire un... Un ça. Tintin, tintin, tintin. Allez-y. Ouais, là, on les fait tous là. À niveau 30. 14 000 dégâts, pas mal. Moi je dis c'est pas mal. J'ai bien fait de me mettre en ligne. Screamer! Allez-y. Ils prennent tous des gars. Ah ben. Ça va cramer, hein. Hop. On va les soigner là-haut. Enfin, en tout cas, lui mettre une barrière. On fait ça. Non, j'étais pas. J'étais de flanc, merde. Je croyais que j'étais de flanc. Enfin, j'étais sur le côté. Enfin, pas sur le côté, justement.
me suis décalé et je n'étais plus dessus. Flûte. Plus le potentiel, plus attaque à distance, plus à distance à l'éther. Ah. Hop, ça soigne, c'est cool. Ça vient. Aïe, merde, c'est des dégâts de foudre lui. Ah merde, du coup ça aurait été intéressant de... Regardez ça. Oh, merde, c'est raté. Très bien. Prends tout. Hop. Niveau 31. Si on les esquivait. Ouais, ça c'était sûr. Hop. Ça c'est légal. Ouais, il s'est fait éclater bien. Alors violet c'est peut-être plus simple que vert. Hein. Je crois, non? Donc même sur la carte peut-être. Ah, oui, je crois que vert c'est niveau 40. Donc en effet peut-être que là ça devrait être facile en fait. Mais ça me ferait peut-être gagner plus de niveaux. Ça vous dit d'essayer? Je serrerai bien moi. Ouais, ok. Ça m'a l'air faisable. Par contre, ils sont éclairs. Ouais. Ils ont donc des dégâts de foudre. Ce n'est pas forcément ce pourquoi j'étais venu à la base. Ça fait juste des dégâts comme ça. On va mal activer. Fire! Bam! Et après, chat. Et charge-toi. Ah, mais non. Ah, là où il est dead. Ah. Ok, c'était chaud. Pas impossible, mais chaud. Faut laisser là-haut le temps de récupérer ses PV. Voilà, bon ça c'était sûr. Hop. Hop. En sorte de le réveiller l'autre là. S'il y était aussi, c'était sûr. Ils font des dégâts physiques, c'est chiant. Ils font tous pas les mêmes dégâts. Et à part les autres, j'ai pas vu de laser. Hein. Est-ce que je suis passé à un niveau supérieur ou pas? Ma question sous-jacente, est-ce que j'ai des nouvelles capacités? C'est intéressant de voir ça. Je regarderai après. Hop, ça dégage. Hop. On n'arrive pas de temps. C'était marqué, mais j'ai pas regardé. Ah si, mais pas au bon moment. Ok, ça c'est mort. Très bien. On va regarder. Compétences. Non, pas compétences. C'est art. En 5, c'est les nouveaux. La réparation, 7%, ça on l'avait déjà. Il n'y a pas des nouveaux. Rang requis 7. Inflige anti-résistance handicap. Ouais. Bah du coup non. Du coup il n'y a pas. Mais nous allons quand même nous arrêter là pour aujourd'hui.
Merci donc à tous d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.